L'aide interpersonnelle est courante et profondément ancrée culturellement en Amérique latine. En Colombie, de ce fait, le favoritisme professionnel, le piston, voire le clientélisme ne sont pas tabous, bien au contraire. Tous les Colombiens y recourent à un moment ou à un autre. Dans un pays qui connaît des changements extrêmement spectaculaires, il est des traditions qui ont la vie dure. Bienvenue au pays de la Rosca. Bonjour à tous et bienvenue en Colombie. Je vous accueille à Medellín, la deuxième plus grosse ville du pays. Je me présente, je m'appelle Najat Benrabah et je suis journaliste. Comme beaucoup de mes collègues, j'aime voyager. J'ai donc traversé le pays du nord au sud en un mois et demi. Et Medellín m'a beaucoup marqué car cette ville représente la transformation de la Colombie. En l'espace de 20 ans, tout a changé. Tout d'abord son visage, avec par exemple la création du métro et du téléphérique, ce qui a totalement changé la vie des paisas, des habitants de Medellín, que ce soit en termes économiques, sociaux, d'infrastructures. Mais quelques petites choses n'ont pas vraiment changé. C'est ancré dans la culture, dans les esprits, et une des choses qui est très commune en Amérique du Sud, c'est ce qu'on appelle ici la rosca. Comprenez plutôt clientélisme, favoritisme professionnel, tout le monde en parle. J'ai donc demandé aux étudiants ce qu'ils en pensaient, car ce sont eux les premiers visés. Écoutez ce qu'ils en pensent. Ah, si, la verdad que la rosca están todos siempre aquí en Colombia y aquí en Medellín. Si tú tienes amigos en el área de investigación de la biología, más adelante te vas a encaminar hacia cierto punto y vas a avanzar un poquito más. Pues eso sí no se puede negar, que de pronto manejen ciertas, ciertos contactos siniestros. Que uno diga, ve, pero yo que hice un trabajo tan bueno y este man que salió con una bobada que yo estaba chico. Sí, sí se da, pero lo quiero ver más como relaciones que se van consiguiendo en el ámbito de la investigación. Es que las personas de las ciudades pequeñas van a trabajar acá a estas ciudades como a Medellín o a Bogotá, en donde de pronto hay menos, pues sucede menos ese fenómeno, entonces hay más posibilidades de encontrar trabajo. Et même ceux qui ne sont pas allés jusqu'à l'université, la rosca, ça peut aider. Écoutez. Lo que pasa es que el país es muy de camaradería, de todos somos amigos, entonces como que hay un puesto en mi trabajo y hay alguien que yo conozco que tiene y puede llenar lo que solicite el empleo. Entonces yo digo, ah, yo conozco a alguien, porque es muy voz a voz, como la confianza, como usted lo conoce, usted lo recomienda, puede avalar su trabajo. Entonces sí, y como para el paisa, la palabra es contrato, es más que el papel. Las pequeñas empresas siempre empiezan como muy familiares, entonces se contactan de que llegó alguien que se graduó pronto y lo ingresan a trabajar para ver si funciona y si funciona nos dejan. La cultura paisa es de querer ayudar siempre, entonces somos muy amables y si alguien te pide el favor, pues haces lo posible para ayudarlo, pues de necesitar que no haya otra opción, no, pero hace las cosas más fáciles. Vous l'aurez donc compris, la rosca est généralisée et commune ici, pas de souci. Mais les politiques veulent changer les choses et un débat s'installe petit à petit pour se demander un peu l'efficacité du système et bien sûr, si ce n'est pas injuste pour certains. Les choses vont donc évoluer, tout comme la Colombie qui continue sa croissance. Rendez-vous pour la prochaine vidéo pour vous montrer une autre façade de la Colombie. En attendant, bonne découverte de votre monde.